Ouais, Jizzy. Ouais, là, j'arrive au studio, là. Ouais, je suis en train de régler des trucs. YB, là, j'ai commencé à poser. Vas-y, ok, d'accord. Oh, ouais, attends, deux secondes. Weston. Ouais. Merde. Ah, ça fait longtemps, Masta. Deux secondes. Ouais, vas-y, je te rappelle. Je suis avec quelqu'un, vas-y. Tiens. Ça fait longtemps, Masta. Masta. Mais oui. Ça fait 2-3 jours que je suis ici, là. Mais oui. Ah ouais. En vérité, tu fais quoi, là? Non, moi ça fait 2-3 jours que je suis venu voir la famille là. Je suis là. Sérieux? Ouais, ah, et toi, okay. Tu fais quoi ici? Non, là, je vais faire un truc. Là. Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Mais dis-moi. Vas-y, je vais au studio en vérité. Ah, tu vas au studio? Bon, vas-y, va voir ta famille, ok? Ok, mais bon, moi j'ai rien à faire. Je peux venir avec toi? C'est ça là? Ouais, Masta. Wesh, mes potos, tu sais bien. Weston. Non, c'est pas ce que tu penses. Voilà. Tu commences à faire les crébards avec moi, hein? Tu veux pas partager les studios? Tu sais quoi, vas-y, viens, viens. Ah, mais c'est ça, on est en train de parler là. On y va. C'est ça, moi, quand j'ai fait de la musique. Ouais, mais c'était vraiment terrible. Sur la jambe de ton frère, ces jours-là, j'avais vraiment pas fait exprès. Ouais, mais non, t'inquiète, tout ça, c'est oublié. T'inquiète même pas, la famille, okay. On est ensemble. Mais bon. Ok, vas-y, viens. Vas-y. Vas-y, déjà, moi, je te rejoins. Ah ouais? Ouais, je vais juste passer un petit coup de fil. Ok, d'accord, aucun souci. Vas-y, okay. On s'attrape, ok, frérot? Vas-y aussi. Ok. Hey, t'es prêt pour le truc de tout à l'heure ou pas? Comme je t'ai dit, ça peut relancer ma carrière, je suis prêt. Ah gros, faut être prêt. De quoi, gros? Tu fais de l'équipe, ok? Tu fais partie de l'équipe? Ouais, c'est. On dirait la radio, ton pote. C'est pas ce que tu crois, mais fais partie de l'équipe, d'accord? Bon, allez, viens, on y va. Vas-y, merci. Hey, comme je t'ai dit, moi je suis prêt depuis des années, quoi. Ah, il répond. Allô? Allô, Tiger? Ouais, ça va? Non, ça va pas, pourquoi? Moi là, je suis en Belgique. Ah, Belgique, tu fais quoi là-bas? Ouais, je suis en Belgique là, je suis parti aller voir la famille, en même temps j'ai croisé les Red Cross. Ah, avec les Red Cross? Ouais, je me rappelle très bien, la dernière fois que tout le monde les avait vus, t'avais blessé Jay-Z, tu te rappelles ou pas? Ouais, non! En fait, le délire c'est quoi? C'est en train de préparer leur projet, la case départ. Et je t'ai préparé un vrai truc, Master. Je t'ai fait un featuring, gros. Tu m'organises un featuring, toi? Trouve le moyen de venir maintenant, là, que tu viennes aujourd'hui. Là, t'as encore le temps, là. Bah, tu sais quoi, je peux monter jusqu'en Belgique. Mais je monte pas pour rien, t'as compris? C'est-à-dire que si moi je monte là-bas et que je te trouve pas. Tu te déboîtes, je m'en fous. Tête d'homme, y'a le featuring gros, t'inquiète pas. Bon, hé, y'a plus de négociation, j'arrive. Je monte jusqu'à là-bas, il faut être là, hein. Il parle mal, lui, hein. Je lui fais les trucs bien, mais il me parle mal, imbécile. Ah, la Belgique, c'est loin. Et lui, il a pas pris, il m'a pas dit bonjour, lui. Déjà, c'est qui, lui? Attends, tu vois, il est tout de suite. Je te dis déjà, tu vas en bouffer des acrobaties. Hé, ça, t'inquiète pas. Des sauts, bon, regarde. Ah, je te dis, hein, tu vas en bouffer. Ouais, c'est bien. Bon, je te dis, ça va être encore plus haut que ce que t'as fait. Donc, mais ça, c'est rien encore, ça. Ouais, mais je sais, mais je te dis, je te prépare. Faut t'échauffer et tout ça. N'importe quoi. Je reviens. Tiger. Venez, on y va, les gars. Et comme ça. Ah, tranquille. Tiger. Ah, quoi, t'as? Je suis dans l'ambiance, quoi. Là, je dois aller en Belgique, là. Je dois aller faire un featuring avec les Red Cross. C'est BDS qui m'a invité. Tu viens ou pas? D'abord. Quoi? Ah, tu fais la star? Eh, hey, fais-moi confiance, c'est la dernière fois que je t'invite. Et monsieur, même pas, hein, je veux pas te voir aujourd'hui. Là, j'ai le troisième son des chroniques du Wattie Boss volume 2, dinguerie. Oh, poto, toujours dinguerie, fais écouter. Tu me connais, j'ai débité façon, Dawa il a validé, t'inquiète. Ah, en plus, ça tombe bien, j'ai une gimmick à mettre dedans. Ah ouais? Bah vas-y, tu vas la faire écouter à BDS alors. Attends, quoi? BDS? Attends. Ouais, mais attends, je t'explique. C'est pas ce que tu crois, c'est pas moi. Eh, hey, mais poto, il va retourner le studio. Non, mais frangin, c'est pas moi. Mais. Masta, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais oui. Ah, comment ça va la jambe? Ça va bien, hein? Eh, mais photo. Eh, l'autre fois t'as fait une dinguerie, c'est pas qu'on t'aime pas, mais bon, doucement, s'il te plaît. Mais Masta, je t'ai dit, c'est pas de ma faute. Vraiment pas fait exprès. Ouais, évite de toucher. Ok, mais bon, moi je t'envoie des messages, tu ne réponds même pas. Moi je pensais que tu voulais plus me parler. Ah bon? Mais oui. Mais pourquoi tu réponds pas à mes messages quand je t'envoie des messages? En fait, j'ai cru que tu avais changé de numéro. Ah ouais, excuse-moi, c'est ma faute. Mais toi, moi j'ai pensé que tu voulais pas que je vienne au studio avec toi, Master. Mais non, c'est vraiment pas ça, gentil. Mais non, on est ensemble, t'inquiète. Ah, mais je veux partir de la même famille maintenant. Bon, c'est comment? Bah écoute, on va te faire écouter un son. Ok. Tu nous dis seulement ce que t'en penses. Juste ça, juste ça. Y'a pas de problème. Juste mon papa, il faisait de la musique aussi en Afrique. Eh, j'ai une histoire à te raconter, j'ai vu quelque chose, mon gars. J'ai vu un truc, wesh, avec tes écouteurs, je te raconter une histoire. C'est un mec bizarre, tu vois pas, il est pas, wesh. Vas-y. En tout cas, Med. Eh hey gros, il s'est fait kidnapper par des mecs là, grosse équipe. Ah c'était trop cousin là, vie de ma mère c'était trop. Ah ouais. En apparence t'as l'air blindé comme un tank. Mais il te manque deux choses importantes. Un Glock à 6 coups, une paire de Yoku. Nous on sait que t'es pas un fou. Eh non. Tu veux nous la faire à l'envers? Nique ta ou nous on va le faire. Ah ouais. Mes négros sont présents, mes rebeux sont présents, mes bobs tous sont présents.
Wesh, tu m'écoutes ou quoi? Ouais, mais wesh, je t'écoute depuis tout à l'heure, cousin, wesh, elle est flippante l'histoire. Vas-y, vas-y, continue à expliquer, wesh. Vas-y, vas-y. Et même quand tout va mal, moi je dis pépélé. Je dis pépélé, même si la juge a mis mon bénéf sous scellé. Je dis pépélé, même si les stars rêvent pour m'incarcérer. J'ai cartonné ma caisse sans être assuré, mon bon pépélé. Wesh, wesh, wesh. Wesh, tu m'écoutes ou quoi? Oh, cousin. Ouais, mon gars. Eh, hey, j'ai l'impression que tu m'écoutes pas, toi, la vie de ma mère. T'as envie de bizarre. Ouais, tu m'écoutes ou quoi? Ouais, j'ai écouté toute l'histoire. Bon, vas-y, dis quoi? J'ai dit quoi? Ouais, tu parlais de Mendes. Ouais. Tu disais que à la base, lui, en fait, il est venu au quartier, mais son père c'était un fermier. Mais en fait, lui, il aurait préféré être un pêcheur. Donc, il a fait de la pêche à la gomme. Ouais, ouais, tu m'écoutes pas, je crois. Ouais, frère. Je sais pas ce que tu peux balancer les sangs. Je sais pas ce qu'il est prêt. Hein? Calme-toi, poto. Ouais. Vas-y, Baptiste. Lance-moi ça, s'il te plaît. Hey, YB, hey, casse tes parts, écoute. YB, je suis le seul choroto du wa. Normal, je kick jamais dans l'anonymat. Si t'as pas d'inspire, photo, photocopie-moi ce que je fais, c'est haram. Rien ne m'applaudit pas, je m'en beurre de leur vie. Tant qu'ils parlent pas de WAM, fais bellex, ça tourne vite au Kawan. Et tes sables viennent de Shanghai ou de Taïwan. Donc tu pourras pas venir me dire que la vie fait pas moi. Oh, putain, c'est bon, oh, il est là. Oh, YB. Ouais, genre, les gars, c'est comment? Ah, lourd, hein. Comme dingue, il est déjà trop lourd. Ah ouais, trop lourd, trop lourd. Ah ouais, non. Ah, c'est merde, lourd. Vas-y. Arrêtez de moitié. C'est vraiment pas juste avec lui. Masta, c'était vraiment nul. Mais... je parle. Non, mais c'est pas des groupes décalés, ça. T'es sérieux, lui? Surtout quand tu dis Rolo. On dit pas ça dans les groupes décalés, Rolo. Mais Masta, c'est pas comme ça. Calme-toi, BDS. Toi, t'es sérieux, toi? Va t'asseoir, s'il te plaît, va t'asseoir. T'as dit quoi? T'as juste demandé de rester calme, de t'asseoir. Mais tu m'as demandé mon avis, non? Mais ne me demandez pas ce cas-là. Faut pas me dire de. Masta, c'est pas du coupé. BDS. Calme-toi, BDS. C'est pas comme ça, Masta. Non, mais on s'était dit quoi, BDS? Sois sérieux. Vas-y, YB, reste assis, mon gars. Dingue. Bruxelles, la Belgique, depuis du fricot d'Elfrit, Ketchup, Mayo, Biggie, oh. Oh, ta gueule. Mon ami personnel. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas rester au quartier, toi, t'es fou, quoi. Non, mais moi, je suis venu charger là pour ton son avec les Red Cross, parce que la question studio, pas chargé comment? Tu racontes quoi là? CD, auxiliaire, clé USB, on va se jaillir. Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Arrête de bouger ton corps là, on est à la gare de Belgique. Au studio. Arrête ça, wesh. Je t'ai demandé tout à l'heure, tu vas rester là. C'est la dernière fois qu'il m'étrangle comme ça. Eh lui, il croit, il est musclé, moi je vais. Mais attends. Salut mon vieux, tu me reconnais? Mais c'est même. Putain, le mec dans un cap. Je dois avertir Bosch. Lourd le son, ouais, franchement. Il est lourd, mec. Il faut un gros refrain pour tenir le truc, mais ton couplet est fracassé. Ouais, bon, allô. Incroyable. Allô. Je suis en Belgique. Wesh, mais il fait quoi là? Tu m'entends? Non, je suis pas chez moi, Je suis en Belgique là. Attends, Belgique là. Ouais, je suis avec les Red Cross. Ouais, les Red Cross, mais. Mais si! Avec les Red Cross! J'ai écouté casse départ, gros! Ouais, c'est bien. Mais en tout cas, écoute ce que j'ai à te raconter. À moi, il a dit Shanghai! Ouais, Shanghai! Non, c'est. Ouais, Shanghai! Il a dit ça! Mais non, écoute-moi, cousin, wesh! Aujourd'hui, personne ne va m'écouter, ça me rend ouf là! Ouais, écoute ce que je vais te dire là! Ça flingue trop! Oui! Eh, hey, man, il s'est fait kidnapper là, c'est bizarre, cousin! Bah ouais, c'est bizarre, wesh! Y'a des mecs, une équipe, je sais pas, ils sont bizarres, ils l'ont pété, hein! Là, faut qu'on monte une équipe, on va faire ça bien! Ouais, je suis pas à m'écouter! Ouais! Ah, vas-y, frère, vas-y! C'est vraiment terrible, Shanghai. Gros. Excuse-moi. Photo, ici on est dans un studio, tout ça. S'il te plaît, fais-moi un peu pour m'envoyer, d'accord? Ok. Merci. Photo, là en vérité, va nous chercher des boissons. Tu peux prendre des boissons pour tout le monde, s'il te plaît? C'est moi. Caille sa mère. Wesh. C'est passé un truc de ouf, là. Y'a quoi? Un camion. Ouais. Menz, dans le camion, ils l'ont mis. C'est passé un truc et ils l'ont mis dans le camion, de drone de noir. Je te parlais de quoi tout à l'heure? Tout à l'heure tu me disais son père c'est un pêcheur, tout ça, moi je te parle d'un enlèvement. Je te parlais de ça, cousin. Pourquoi tu cries? Putain. Ah ouais, là je vais chercher des gens, là je vais faire une équipe là. Ah ouais. Débrouille-toi de ton côté, je sais pas, docteur, je m'écoute pas, t'es bizarre toi. Moi je vais en faire une affaire d'état cette affaire, je vais prévenir les médias. La France entière, le monde. Hey, go.
Ouais. Faut parler à ton ami, hein. Je suis pas un distributeur de boissons, moi. Je sais, mes potos, c'est la famille, t'inquiète, c'est juste aller nous chercher des boissons, quoi, c'est tout. Non, mais dis-le à lui. Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça à moi? Non, mes potos. Envoie l'ingénieur, il peut aller chercher les canettes, non? Écoute, moi aussi j'ai soif, franchement, écoute, BDS, t'es une galère, s'il te plaît. Va chercher des boissons, juste, tu nous arranges. C'est la famille, on est ensemble. Faut s'entraider entre pas quelqu'un de la famille, hein. Mais si, entre famille, on s'entraide. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, t'inquiète. C'est la famille, t'inquiète. Bon, de toute façon, les distributeurs, c'est. Non, non, c'est pas grave, je vais pas okay. Ok, vas-y. Eh, mais putain, allez, mais vas-y. Ouais, Tiger, t'es où là? Ouais, je suis en Belgique. Mais t'as pas vu là? Masta, là, je suis dans les locaux, là, on t'attend. Le featuring, il est là, là. En plus, ils ont déjà posé. Mais je te rejoins, je sais même pas où c'est. Ça fait longtemps, moi, je suis pas revenu. Tu vois le rond-point là? Voilà, après le rond-point, tu. Arrête de t'amuser. Tu tournes à gauche. Non, en fait, tu tournes à. C'est quoi, j'ai demandé mon chemin parce que t'es un fou, toi. Ah, ça, je te dis pas là. Bon, c'est. Vas-y. Non, il va même pas savoir que je le suis là. Pourquoi c'est vrai, là? Il m'a encore suivi? Je crois qu'il m'a vu. Oh là là là. Ça va, c'est pas rentrer. Mais mon chéri, ça va chier. Ah, imbécile. Yeah. Imbécile, il y a un maillot. Tu faisais quoi là? Tu continues à me suivre là? Mais non, Masta, j'étais avec ma femme là. Elle me cherche à garde du midi, querelle de coup. Eh, hey, t'as intérêt, hein, tu me suis même pas. Non, Masta, même pas. Non, mais va, bon studio, hein. J'ai trop faim là, yo, t'as beaucoup, hein. Non, mais pas au moment, il arrive. Ah ouais, wesh, les gars. Wesh, ouais. Putain, ouais. On va les coincer. Wesh, à quoi? Wesh, en bruit, les gars. Où ça? Eh, hey, vous êtes chaud ou pas? Eh, hey, viens, on y va. Eh, hey, Men s'est fait kidnapper. Wesh. Là, c'est comment? Attends, je vais appeler mon nom. Ouais, j'arrive. C'est comment, ma gueule? Ah, gaffe, moi j'ai faim. Je paye 20 dollars. Vas-y, vous êtes pas chaud en fait, frère. Non, t'inquiète, viens, on attend, après on va drive. Ouais, ouais, ouais. Everybody singing, alléluia. Alléluia. Everybody singing, alléluia. Oh, alléluia. Bon. Ah, le grand voyageur, toi t'es partout. Toi tu fais quoi ici toi? Masta, moi j'ai un gros souci. Je suis en Belgique, je sais même pas où. Ouais. Que je t'ambola comme un zoba. Ouais. Je croise Tiger. Dis ouais Tiger. Oh, yeah. Vas-y, moi je suis venu charger tout ça. Comme ça on va où? Au studio. Parce qu'en fait, tu vois les Red Cross, c'est un groupe de rap. Ils ont signé, c'est les Wati Wati. BDS il est sur place, il est en Belgique. Il est en Belgique studio avec eux. Mais toi ça tombe bien. Et lui ouais. Ta valise, toi tu veux en Belgique sans valise Maman, j'ai oublié la valise à garde du midi. Tu crois que c'est quoi la fille, elle m'a giflé? Mais elle m'a mis, elle m'a giflé, je vais lui faire un bisou comme ça. Moi, eh, appelle Tiger, comme ça on les rejoint. Et on ouais, se yo Timba ah. Ah, scandale. J'ai bien regardé ça. Encore là, lui, j'ai laissé ici, encore ici. Oh, gros, t'es encore là? Non, quoi? Tranquille? Ouais, faut que je te montre un truc là. Mais quoi, j'ai fait une. On a tourné là, moi, Emmett. T'as pas dit? Eh non, depuis je suis là, frère. Ah gros, on a fait un film là. Ah ouais? Ouais. Que film? Braquage, tout ça. Kidnapping. Ouais, film d'action. Film d'action? Kidnapping? Ah, comme on aime. Comme on aime. Comme c'est là, on a fait des auditions pour un film. On a été pris. Film de kidnapping. C'est terrible. C'est grand violent. Film. Un grand film, gros. Je pense même des Oscars, déjà. Déjà? Déjà, gars. Déjà des Oscars, déjà. Je pense déjà à ça. Mais c'est quand ça sort là? Tout de suite, il y a les extraits qui vont arriver, là. Attends, tout de suite, là. Mesdames et messieurs, en direct de TF4. Ce flash spécial intervient après un appel à témoins en provenance du quartier du Valibou encore. Tu as le Manolo qui est là? Ouais. Kaboulé là? Ouais, c'est moi, c'est moi. Une personne... Une personne de race blanche aurait été kidnappée. Donc nous avons été prévenus par l'une des personnes du quartier. Nous avons envoyé notre envoyé spécial en direct. T'es sûr là, c'est ça? Fais quoi ici, Shark? À la base, au quartier, on n'appelle pas trop les médias, tout ça, pour connaître notre vie. Mais là, notre gamin, il s'est fait kidnapper, c'est grave. Nous, on espérait le revoir. C'est notre petit coton de tige, quoi. Donc, voilà, quoi. Je lance cet appel à témoins, vraiment, parce que ça nous tient à cœur. Ça... Oh, filme pas trop mon visage, là, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Et ouais, donc, voilà, quoi. Voilà, donc,
C'est notre petit man, s'est fait kidnapper et j'espère que tout le monde va se mobiliser pour le retrouver. Voilà, merci. Oh! Mais c'est bizarre là. Il s'est kidnappé. Ouais, c'est un film. Mais t'entends pas, ils disent quoi là? Ah, genre là, donc ils pensent qu'ils sont sérieux là. Ils arrête, sont... arrête, t'entends. Donc, ah, toi, ah! Tu kidnappes. Master, c'est un film, Master! Arrête, arrête. Eh, hey, mais tu sais, kidnapping là, ah. C'est 10 ans là. Quoi? Toi, tu kidnappes. Mais mon gars, toi, t'es bizarre. Hein. 10 ans! Gars, t'es un ouf, Master, c'est scénario. T'es un ouf? Mais quel scénario là? C'est les infos. Les infos, c'est pas des scénarios. C'est des menteurs. C'est des menteurs, Master, c'est des menteurs. À la météo, ils nous disent il fait beau, le lendemain il pleut. C'est des menteurs, gros. On pas. Vous kidnappez. C'est ça, vous faites maintenant. C'est bien. Wesh, mon gars, ouais! Ouais, tranquille, toi. Et sous les mecs de tout à l'heure là? Quel mec? Allez, on va les chercher. Viens, 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 wesh. Les mecs, ils t'ont pris tout à l'heure là. Eh gros, j'ai fait une équipe, on va aller chercher les mecs là. Gros, qu'est-ce qui t'arrive là? Wesh. Y'a pas les mecs qui t'ont kidnappé là, bizarre là. Tu dis n'importe quoi. Eh cousin, viens, on va aller chercher, viens, on va aller chercher. Ah, tu parles de la scène, du kidnappage. Kidnappage, hein? Déjà, on dit kidnapping. Ouais, mon kidnapping. Ton kidnapping? Non, non, je t'ai fait kidnapping, hein. Eh cousin, c'est le truc avec quoi on rigole pas, nous? Kidnapping, comment ça, wesh? Eh gros, viens, moi j'ai préparé une équipe, on va y aller, viens. Mais n'importe quoi, Bosch, t'es sérieux? T'as qu'à appeler tes potes et tu dis que c'était un film. C'était pour défaut. Un film, hein? Bah ouais, c'est un film. Un film, c'est, hein, la joie. Ouais, la joie. Okay. Vas-y, viens, viens, viens avec moi, profitez. Eh, on peut pas rester tranquille, c'est un truc de ouf. En plus, c'est lui. Allô? Oh, ta gueule! Oh, mais c'est encore dame là! Toi, t'es où là? Moi, je suis parti dans Bruxelles. Master, je cherche une solution, je suis pas avec ta gueule. Je suis parti dans Bruxelles, en fait, comment? Attends. Ouais. Pourquoi tu veux savoir où je suis? Bon, je suis à l'hôtel là. Oh, toi, t'es à l'hôtel? Mais Master, moi je suis avec Max, Master, on peut venir tout seul. Je suis avec mon gars Max. En plus, moi je connais le câble. Belle gars comme. On se la coince, on se pose, on se repose, on se pose. Eh, hey, je t'ai déjà dit ça tout à l'heure. On s'est déjà vu au quartier déjà tout à l'heure. Je t'avais dit de venir, tu voulais pas. Deux fois, je te croise à la gare. En plus, c'est des malignes là, c'est terrible, Mayaya. En français, il fait froid. Je m'en fous. Eh, hey, tu vas rester en Belgique, il fait froid, tu vas te débrouiller. Arrête de m'appeler. J'arrive. Bon, arrête de m'appeler. Ah, vas-y, non, mais c'est bon, vas-y. Master, dis bien, c'est comment alors? Master, tu me déranges, Master, il veut pas. Je voulais mettre le câble, Belgacom, tout ça, on se pose là-bas dans l'hôtel. Il veut pas qu'on aille à l'hôtel, Master, tu me déranges, tu me saoules, qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? L'envoi des lits là-haut! Ah, man, de toute façon, attends, t'as un but là, hein? Ah, mais attends! Ah, Master, tu me déranges, pas trop, Master. Aïe, la déprime, elle commence. Garde du midi, souci. Ici, à Rogier, là, souci. Je vais faire quoi, Master? Je suis perdu dans Bruxelles, faut que je trouve mon chemin. Hein? Excusez-moi, je cherche mon chemin, je suis perdu dans Bruxelles. Ah, merci. Excuse-moi, ça bonne, mon grand frère? Qui? Men. Oh, vous avez la même tête, vous deux là? Non, non, moi je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas vu. Et il caille, hein? Oui, hein. Laisse-moi sortir! Allez, vas-y, viens là! Vas-y, ramène cette équipe! Bosch! T'es là? Bosch! Les gars, j'ai trouvé des verres d'eau, puisque je n'ai pas trouvé l'endroit là où il y avait les canettes. C'est pour ça que j'ai pris des verres d'eau. Ah, c'est très bon pour les glycétales, réveillez vos voix. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Je crois que je vais lui faire une petite prod sur son instru. Ils seront très contents. Qu'est-ce que je peux leur faire? Tac ou 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 tac. C'est vraiment terrible les bruits comme ça. Bon, je vais commencer comme ça. Oh, merde! Merde! Oh putain! Oh là 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 là! Mon bien, ça veut pas s'arrêter, Master! Oh là là! Merde! Oh putain, l'ingénieur! Merde! Qu'est-ce que tu veux, l'école ici? C'est pas moi qui a fait ça! Oh putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi? C'est pas moi! En plus, c'est pour casser les pas! Hein? Alors, tu penses que Dawala il va être fâché? Nickel! C'est vraiment pas moi, je te jure! Là, c'est nickel! J'étais pas. Eh, faut pas dire c'est moi! Eh, mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? T'as fait quoi?
Mais quoi ce bruit? Je sais pas ce qu'il a foutu. Non mais sérieux, voilà, c'est quoi ce bruit? Je sais pas ce qu'il a foutu. Baptiste, bravo gros, tu crois vraiment? Non mais c'est qui, c'est toi? Hein? C'est sérieux. C'est Baptiste. Qu'est-ce que t'as ramené? Un mensonge. Je sais pas ce qu'il a fait. C'est qui? C'est lui. Baptiste. Baptiste. Eh, je suis venu de la paix. C'est ce bouton là là. Vas-y, viens, on y va, viens. Mais maintenant, c'est pas moi, c'est viens, Baptiste. Viens, on y va. Mais pourquoi c'est toujours moi qui veux virer? Baptiste, viens, on y va, vas-y, s'il te plaît, viens, on y va. C'est une galère, Mais Baptiste, j'espère que c'est pas toi. Mais c'est pas. Mais laisse-moi ici avec vous. C'est toi. Là, il y en a marre. Basta, attends, moi, s'il te plaît. Et je te jure, c'est Baptiste. J'étais là derrière, je l'ai regardé. S'il te plaît. Non, mais pas toi, Dawala. Dawala, il sera pas content de ce qu'il a fait. C'est pas moi, Masta. Masta, c'est pas moi. Écoute, poto, y'a pas de Dawala qui tient, y'a pas de Baptiste qui tient. Poto, ça fait 4 fois qu'on t'emmène, tu fous toujours les mêmes galères. Non, ça n'a rien à voir. C'est lui. Non, je suis désolé, y'a plus de Baptiste. Tu vas dire à Dawala, c'est moi? Eh ouais, je vais dire à Dawa, c'est toi. Parce qu'il y a plus... Mais moi, ça dit. Non, y'a plus de Dawa qui tient, y'a plus de Baptiste. C'est ta faute. Mec, je peux pas rentrer dans le studio. Non, c'est mort. Oublie le studio, le coupé décalé, tout ça, c'est mort. Franchement, oublie. Enfin, c'est toi. Ok? D'accord? Enfin, là, ça. Tu m'as tout marron là tout à l'heure. C'est bien qu'il m'a laissé du faire un truc tout. Enfin, t'as eu encore une photo, ton gars, une photo. Eh, les autres, ils sont là. Vas-y, on démarre, on commence. Eh, voilà, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Eh, mais c'est mort, ton gars, il nous a fait des dingueries totales. Qui, lui? Eh, photo, il nous a fait des dingueries. Il a niqué le son, il a niqué l'instru, il a niqué les voix, il a tout niqué. Mais comment, la table de mixage. Il a tout niqué, photo. Eh, il a niqué la table de mixage. Laisse tomber, c'est mort. Franchement, prends-le, occupe-toi de lui parce que là, photo, laisse tomber. Il nous a fait des dingueries de ouf. Franchement. Eh, tu sais quoi, je sais plus quoi dire. Mais là, je veux parler, il faut qu'on crée une situation, il faut que je pose, gros. Poto, c'est mort, oublie ça, franchement. Attends, c'est mort là. Et poto, ça n'a rien à voir avec toi. Non, y'a pas de soucis, c'est quoi? Je vais me débrouiller. Le gars, il a fait n'importe quoi. Ok, c'est pas grave. C'est quoi, vas-y, c'est pas grave. Go au studio, moi je vais briser le cul. T'inquiète. Vas-y, pas de soucis. Attends, je vais fermer la porte. Tu sais quoi là? Massa, c'est pas moi, c'est Baptiste. Il est venu l'appuyer sur un bouton. Arrête de parler de. Et tu m'as dit quoi t'as au téléphone? Mais il y avait une très bonne. Je m'en fous, on va régler ça maintenant. Bonjour mesdames et messieurs, je me présente, Stromadad. Je vais pas vous mentir que, en toute sincérité, hein, vraiment, je déprime. Plus rien ne me fait rire, plus rien. Tiens, par exemple, quand je demande l'heure aux gens et qu'ils ne veulent pas me dire alors qu'ils ont leur montre sur eux, ça me fait mal, hein. C'est ce genre de petits trucs qui me dérangent. Je souris, personne sourit, mais souris un peu. Vous refusez de sourire, voilà ce qui me rend Stromadad. Voilà ce que je disais Stromadad. C'est de ça que je suis en train de parler Stromadad. Atiba Masta. En plus, je vous parle, vous voulez pas changer Stromadad. Stromadad. Voilà ce que je disais Stromadad. C'est de ça que je suis en train de parler